L'armée ennemie était restée statique depuis bien trop longtemps. Il fallait faire quelque chose, ne pas laisser le hasard décider du début des hostilités. La générale montait sur une petite estrade improvisée à l'extrémité d'un immense champ. Elle rayonnait de par son armure de paladin. Elle sortit son épée et frappa trois coups secs et clairs. Le brouhaha des soldats s'arrêta aussitôt. Elle prit une grande inspiration et se lança, poussant sur son diaphragme. Sa voix portait alors sur les presque 500 soldats qui l'écoutaient fièrement. « Mes frères et mes sœurs, nains, elfes et humains, nous sommes ici pour survivre et reprendre la ville qui est à nous. Il y a quelques mois, certains d'entre vous ne savaient même pas à quoi ressemblait un démon. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit que de zombies un peu plus endurants, c'est tout. Méfiez-vous cependant de leur capacité à s'enflammer. En effet, nombre de maisons calcinées à Transvaal le sont à cause d'eux. » Eleanor jeta rapidement un regard sur les différents commandants de Légion qui se tenaient derrière elle. Ils l'écoutaient tous avec attention. Marcus, le commandant de Géaldur, opina du chef. La phrase arriva enfin dans l'esprit d'Eleanor. « La gamine. La gamine n'y est pour rien. Ne leur dis rien. Ce n'est qu'une enfant. » Elle détourna son regard et reprit son discours avec la même fougue. « J'espère que ces derniers jours d'entraînement ont porté leurs fruits. Je ne veux voir que des sourires de gagnants. Nous allons écraser ces démons et ces zombies qui ont infesté nos murs. Ce ne sont que des cancres là. Sortez vos épées, priez Alphos et mettez toute votre rage dans ces combats. Ne vous occupez pas des spectres que vous ne pouvez de toute manière pas toucher. Si tout se passe bien, ils ne vous approcheront même pas. Soyez forts. Faites honneur à votre patrie, quelle qu'elle soit. » Pour vos enfants, pour vos maris et vos femmes, pour vos aïeux, et pour l'empereur! Son discours terminé, elle leva son épée. Un éclair s'écrasa contre son arme. Elle envoya l'énergie emmagasinée en plein cœur de l'armée ennemie, de l'autre côté du champ de bataille. Plusieurs dizaines de zombies éclatèrent en morceaux. La bataille avait commencé. Et les deux armées fonçaient droit vers Chaos, qui se frottait les mains devant ce futur carnage.